Salut à tous, c'est Tony. Bon, ben, on va se faire un petit pack opening. Regardez, j'ai plein de coffres à ouvrir, coffres gratuits, coffres géants et trois coffres en argent. Bon, avant ça, on va commencer la vidéo un peu à l'envers. On va se faire un combat ou deux pour débloquer le coffre à couronne. Comme ça, on ouvrira tout en même temps. Allez, bah, écoutez, c'est parti. On va essayer de le faire en un ou deux combats, tout dépend, ou trois combats, on va voir. On va voir comment je m'en sors. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous joue un mineur. Déjà, ça commence bien. Donc voilà, on défend avec la Valkyrie. Il me remet une Valkyrie, on va mettre un sorcier de glace derrière. Et un petit géant. On va zapper tout ça. On va essayer une première offensive. Je suis pas sûr vraiment de mon coup, mais alors, allez. Tout une mini PK avec des gargouilles. Allez, allez, allez. Moi, j'arrive à lui mettre quelques dégâts. On va se débarrasser de ses gargouilles et de sa Valkyrie, je pense. On envoie un chevaucheur direct. Parce qu'en plus, il joue princesse. Donc, on va essayer de lui mettre un max de dégâts. Ah, bien défendu. Mais bon, il a quand même pris pas mal de dégâts. Allez, on va laisser ses gobelins se rapprocher. On s'en fout. Ça, par contre, on s'en fout pas. Voilà, on détruit sa princesse et son chevaucheur. Ma Valkyrie qui avance. On va mettre un petit sorcier de glace derrière. On va zapper ses gargouilles. On va pas galérer avec eux. Voilà, il me met mineur sur le sorcier de glace. Ça, c'est parfait, ça. Voilà. Et là, on va économiser l'élixir. Par contre, la princesse me fait un peu yesh. Je vous avoue. Alors, il joue encore ses machins. On va essayer de choper sa princesse direct. Voilà. Une petite attaque des barbares avec un archer derrière. Les barbares vont se faire éclater par la tour et la Valkyrie. Aïe, là, par contre, ça se corse parce que je n'ai pas. C'est ça le problème. Donc, on va mettre une Valkyrie ici. Un sorcier de glace là. Et là, il m'a fait mal. C'est ma tour aussi qui a focalisé sur son mineur. Voilà. Là, il m'a fait vraiment mal. Allez, on tente la grosse, ma plus grosse attaque. Là, il va prendre des dégâts. On va lui casser la tête. Là. Voilà. Il me casse les couilles, ce mineur. On va pas le laisser respirer. On va même mettre un canon là pour que si jamais il repose un mineur. Ah, ça c'est bien joué ça. Ah, ouais, il a tout. Alors, on va le kick, on va s'occuper de ces deux princesses de merde. Là, on va mettre des archers derrière. On va tenter 3 étoiles. Il joue un mineur, même pas, on va pas pouvoir, on va pouvoir défendre. On va jouer nous aussi. Un sorcier de glace. Parce que je savais qu'il allait mettre ses gargouilles. On va zapper tout ça. Du coup, on va lui faire quelques dégâts. Mais pas grand chose. On va mettre un canon. Les barbares. Des archers. On va défendre à bloc là. Il va nous casser les couilles avec son putain de mineur de merde. Il joue que ça, les mecs. Il aurait pas son mineur, il serait pas joué. On zappe cette princesse, on joue. Allez, détruis-les, détruis-les. Putain. Et bien, ça va finir en match nul pour le premier combat. Bien joué. Et bien, à ce rythme-là, ça va être des 3 combats, quoi. Allez, il nous manque 2 couronnes à avoir. Alors, on joue contre Reza Yellow Bolt. Voilà, on va jouer des archers en fond. Il a posé un extracteur. Donc, on va essayer d'attaquer direct. On va voir si ça va payer.
Voilà, donc il met un mini pécan, on devrait réussir à s'en débarrasser normalement. La tour de l'enfer de sa mère. Voilà, on a réussi à s'en débarrasser, mais bon il a bien joué parce que là, ouais, voilà, on va pas pouvoir lui faire grand beaucoup de dégâts. Bon, on lui en a fait quand même quelques-uns. Donc il joue chaud au char, on va mettre les barbares. J'ai hésité à mettre le canon, mais j'avais envie de mettre les barbares. Alors on va laisser la horde de barbares se rapprocher. Ça m'emmerde un peu par contre. Allez, mes archers qui s'occupent avec la tour et mon sourcil de glace en renfort. Et là on va économiser parce que là j'ai un royal, putain. Qui joue son géant royal avec son mini PK. Donc faut vite se débarrasser de son mini PK, ce sera bon. Avant que le géant royal arrive. Et ouais, il a bien joué là. Il a bien joué le coup, cet enculé. Excusez-moi l'expression. Il va me faire pas mal de dégâts là. Les barbares, il faudrait qu'il détruise sa tour de l'enfer. Ça serait pas mal. Ça c'est bien. Sorcier, on va le laisser venir. J'ai pas de troupes pour le contrer, quoi. Ça fait chier, ça. Allez, normalement, je sais pas s'il a la tour de l'enfer dans les mains. Il a posé un extracteur. On va zapper tout ça. Allez, allez. On va mettre le sorcier de glace derrière. Et là, il faut lui faire des dégâts. Là. Allez, allez, chevaucheur. Putain, il manque un poil. Hop, le canon, les barbares. L'électrocution. Allez, mets-lui un coup. Putain, j'y crois pas, quoi. Et je vais perdre ce combat. Voilà. J'ai perdu les enfants, j'ai mal joué, encore une fois. Allez, deux couronnes à avoir là, putain. Je vous dis en ce moment, j'ai beaucoup de mal à jouer à ce jeu. Alors, est-ce que c'est de la lassitude? Est-ce que je pense que j'y ai vraiment beaucoup, beaucoup joué? Pas je me lasse, parce que je l'aime toujours autant ce jeu, mais bon. Il y a des périodes comme ça où... j'ai un peu de mal. Voilà, il joue géant, je joue géant. J'ai un géant niveau 7, il a un géant niveau 6. Le problème, c'est regardez ma main. J'ai que des troupes d'attaque. Il joue un chevaucheur, on va jouer un chevaucheur. Il a joué la tour de l'enfer, il m'a baisé la gueule. Voilà. C'est bien, hein. Je vous dis, j'ai pas de cul en ce moment. Voilà, il va me baiser. Il va me baiser. Regardez quand il m'a éclaté. Ah là là. Désolé, je parle pas parce que je sais même plus comment faire. Là. Et bah, juste un tour de l'enfer. Voilà, on va la zapper. On va essayer de la casser vite fait. Voilà, mon chevaucheur qui part à gauche, le barbare à droite. Ça, on va poser une Valkyrie. Voilà, il pose ses putains de hordes de gargouilles de merde. On va poser sorcier de glace avec les archers. Le problème, c'est que je le sais, il va préparer une offensive sur la droite, j'aurai plus rien. Et on va le laisser défendre en fait. Là. Tout en essayant de lui grappiller quelques dégâts. Voilà, je savais qu'il allait poser ça. Il pose ça avec le poison, on laisse rien passer. Toi,
On va te contrer là. On va mettre. Ah, j'ai plus de batterie, putain. On va mettre ça avec le chevaucheur. On va essayer de lui faire des dégâts. Eh bah ben, écoutez, on s'en est bien sorti. On a réussi à lui casser sa tour, les gars. Toi, on va poser ça là. Toi, on pose ça avec ça. Donc, là, je l'ai posé trop tard. Ah, mais bon. Je me suis bien énervé. On va poser un chevaucheur là aussi pour lui foutre la pression avec des archers. Allez, peut-être la deuxième tour. 6 secondes. Et voilà, papa. Et ben voilà, on va pouvoir s'ouvrir ce pack opening. Putain, ça a été une belle remontée. Hein. Allez, bah écoutez, c'est parti. On va commencer par les coffres gratuits. Alors, 77 d'or, une roquette, 9 bombardiers. Autrement dit, c'est de la merde. Encore un coffre gratuit. 78 d'or, 2 gemmes, une cabane de gobelins et 9 gobelins. Pas terrible non plus, j'ai rien de mon deck. On va s'ouvrir les coffres de 3 heures. 60 d'or, un chevaucheur, ça c'est bien, je le joue. 9 gargouilles. Je les joue pas. Un autre coffre d'argent. 61 d'or. Un mini P.K. Et 9 hordes de gargouilles que je ne joue plus. Encore un coffre de 3 heures, pardon. 58 d'or. 3 géants royales. Et 7 esprits de glace. Ces esprits de glace, j'en peux plus, quoi. En fait, ça sert à archi, moi. Allez, on s'ouvre le coffre. J'arrive même plus à parler, excusez-moi. On s'ouvre le coffre à couronne de ces morts. 476 d'or. 2 gemmes. 15 chevaliers. De la merde, putain. 41 flèches. Je peux pas avoir des cartes de mon deck. 7 mini PK. Et un sort de rage. Waouh! Allez, ben, on va s'ouvrir le coffre à géant. J'espère avoir des cartes de mon deck. Allez. 1529 d'or. Un PK, ouais, mais je pourrais passer niveau 3, ma foi, mais bon. 26 cabanes de barbares, ouais, vas-y, va faire un coup, là. Et 229 flèches, voilà, que des cartes que j'ai pas dans mon deck. Merci, au revoir. Bah écoutez, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, je suis maudit. Bah, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Allez, salut à tous.